l'éternel, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, pour que demain, après demain, celui qui est né d'une commerçante puisse rêver un jour pour pouvoir devenir président de la République, parce qu'on aura l'égal d'abord, où il y aura l'égalité, il y aura la justice, il y aura la dignité. C'est ça notre rêve. Un enfant qui est né d'un pêcheur puisse demain prétendre être ministre, parce que ce sera le Gabon de l'égalité, ce sera le Gabon de la chance, ce sera pour le Gabon des privilèges. Voilà ce que la nouvelle constitution va nous apporter. Comptons donc massivement sur vous pour relayer le message. Allez lire la patate là-bas, pour qu'il s'assoie, pour voir à vos forts, pour dire qu'il y a des vraies choses qui sont en train de se passer là-bas. Il y a rien d'avant le caïcaï. Il y a des vraies choses qui sont en train de se passer. Ces vraies choses-là, c'est le référendum. Donc il faudra vous mobiliser. Les mamans qui s'inscrivent sur la liste électorale. Dès que le communiqué va passer pour donner les dates de l'élection, on veut voir à partir de 7h du matin, toutes les femmes ranger devant vos bureaux de vote pour aller dire massivement oui au niveau institutionnel que nous allons adopter. Est-ce qu'on est d'accord?